Au début, j'avais des a priori sur le handisport. À l'âge de 16 ans, on croit tout savoir et on se dit « ouais, je suis le meilleur ». Puis j'ai fait une ou deux compètes, puis je me suis pris deux, trois caisses. Et puis du coup, ça m'a remotivé pour aller m'entraîner et revenir plus fort. Aujourd'hui, oui, je me sens pleinement faisant partie du groupe handisport. Les gens, ils vont pas me parler de mes matchs que je fais avec mon club de Noisiel. Ils vont me parler de ce que j'ai fait au jeu, ce que j'ai fait au championnat d'Europe, ce que j'ai fait au championnat du monde. Donc maintenant, mon image est rattachée. Sportif handisport, qui fait du tennis de table et qui vise une médaille. L'ambiance au sein de l'équipe de France est franchement, moi je trouve très très bonne. Et c'est vraiment, c'est une deuxième famille quoi, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas forcément de rivalité, parce qu'en fait en handisport il y a plusieurs classes de handicap. Moi dans ma classe de handicap on est deux. Honnêtement l'ambiance est super saine. C'est super important d'avoir une vie de groupe dans un sport comme le tennis de table. Par exemple, dans une compète comme les Jeux, les championnats d'Europe, les championnats du monde, dès qu'il y a un Français qui joue, il y a tout le monde qui est derrière. Bah, des fois, il y a des moments où c'est dur, où c'est pas évident, il faut s'accrocher. Et c'est vrai que de sentir tous les copains derrière, c'est vachement important. C'est manger tennis de table, dormir tennis de table. Prise de balle au rebond, peut-être un peu plus d'amplitude en haut quand tu veux la raccrocher. Là, là, voilà. Ouais, bien. On s'est rencontré avec Kevin depuis une bonne quinzaine d'années. Il est explosif parce qu'il est capable de tout à n'importe quel moment, aussi bien pongistiquement qu'en dehors. Et ça se ressent dans sa façon de jouer aussi. Il est capable d'être rigoureux, tout à coup, de tout changer. On sait jamais trop à quoi s'attendre. Le truc, c'est que t'as une bonne main, tu t'en sors, mine de rien. Maintenant, après, marquer un point. C'est vrai qu'il met énormément d'affect de manière générale dans tout ce qu'il fait. Normalement, j'ai réussi à Londres, j'ai réussi aussi pour Rio, donc je connais le chemin à suivre. Après, ça reste une incertitude, mais en ce moment, je me sens vraiment très bien physiquement et dans mon jeu. Donc tous les feux sont au vert.